Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. J'ai plein de choses à vous dire, et d'ailleurs ça faisait un petit moment, bah du coup c'est un peu normal que j'ai plein de choses à vous dire, ça faisait au moins 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Je m'excuse pour celles qui m'attendaient, me revoilà en face de vous, devant cette caméra, ça faisait un moment, mais je suis là et j'ai plein de choses à vous dire. Donc, si vous êtes intéressés par toutes les nouveautés de ma vie qui peuvent aussi vous concerner, restez bien assises et tendez l'oreille. Alors, premier gros changement dans ma vie. Non, c'est pas vraiment ta vie, Marcia. Juste sur ta chaîne YouTube. Alors, premier gros changement sur ma chaîne YouTube, donc c'est le changement de mon nom. Donc, je ne m'appelle plus Marcia BFN, je m'appelle Marcia Bloom. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que je pense que c'est important de vous l'expliquer. De toute façon, en commentaire, quelqu'un me l'a déjà demandé. Alors, donc, disons que Marcia BFN, c'est pas... J'ai créé ce nom en fait lorsque je crée mon compte YouTube dans le but de pouvoir m'abonner et suivre régulièrement des chaînes YouTube. Et BFN bien évidemment a une signification que j'ai révélée à très peu de personnes parce que disons que ça pourrait être pris... on pourrait croire que c'est très prétentieux, mais c'était juste un délire que j'avais eu avec ma nièce. Et donc je me suis dit, oh, bah tiens, je vais laisser BFN. Et donc voilà. Et j'avais en fait envie de changer ça. Et surtout, alors l'autre raison aussi, c'est que à chaque fois lorsque je donne le nom de ma chaîne, on me demande quel est le nom de ta chaîne, donc je dis Marcia BFN, et puis on fait Marcia quoi? Marcia BF, ah comme la bibliothèque, Marcia, ah comme la chaîne BFM, non les amis, ça n'a rien à voir. Donc j'en avais un petit peu assez de ça aussi, que les gens aient du mal à comprendre BFN ou à le retenir, etc. Donc ça peut être un frein pour certaines personnes pour pouvoir me rechercher sur YouTube. Donc du coup, pour me rassurer, je l'écris toujours sur un bout de papier pour être sûre que la personne me retrouve. Mais bon, voilà, ça va faire un petit moment maintenant que je suis sur YouTube, vous me connaissez sur ce nom-là. Mais voilà, je ne change pas grand-chose, c'est juste le Bloom. Alors vous allez me dire, Marcia, pourquoi Bloom? Qu'est-ce que c'est Bloom, etc. Donc, dans l'objectif, en fait, et dans... Dans l'optique de rajouter un peu plus de mon identité, de ce que je suis, en fait, dans le nom de ma chaîne, j'ai rajouté Bloom parce que Bloom veut dire... fleur, et ça veut dire fleur en néerlandais. Alors pourquoi fleur et pourquoi le néerlandais? Fleur parce que j'aime énormément ce que ça dégage en tant que symbolique, ce que ça peut inspirer, le côté bohème, paix, douceur, la beauté, la nature. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui m'inspire et que voilà, depuis toujours j'aime les fleurs. D'ailleurs quand j'étais petite, je me dirais mon enfant fera fleuriste plus tard. Oui, bien sûr, Marcia. Ensuite, néerlandais, pourquoi le néerlandais? Parce que je parlais couramment néerlandais lorsque j'étais plus petite, parce que j'ai vécu aux Pays-Bas. J'ai été à l'école aux Pays-Bas et j'ai encore de la famille d'ailleurs aux Pays-Bas, donc c'est un pays que je connais, une langue que je connais. Et j'aurais peut-être pu écrire flower en anglais, mais je trouve ça trop commun, trop banal, et je trouve que ça sonne pas assez bien. Et le B de Bloom rappelle toujours le B de BFN, donc voilà, il y a toujours un petit lien quelque part. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire, vous annoncer. Et la deuxième chose, là c'est encore un petit peu plus gros, c'est l'arrivée de ma box beauté. Non mais sérieux Marcia, ta box beauté, explique-nous, je t'explique. Alors, en fait, vous savez que je fais partie du Beautytube, et dans le cadre du Beautytube, on apprend tout plein de choses pour ceux qui ne savent pas encore d'ailleurs comment ça se fait. Le Beautytube en fait font tout plein de choses un peu cool pour nous, donc sur des événements un peu spéciaux, etc. D'ailleurs j'ai plein de vlogs à vous poster sur lesquels j'ai pris énormément de retard, mais voilà, ils font tout plein, pas mal de choses sympas avec nous. Et l'une des choses qui nous donne l'occasion de faire, c'était d'avoir notre propre box beauté et de pouvoir tout simplement vous la mettre à disposition. Je vais déjà vous parler un petit peu de cette box là qui sera déjà disponible, enfin qui sera bientôt disponible ou peut-être déjà disponible, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations. J'ai essayé d'être la plus stratégique possible dans la création de cette box. J'ai choisi 3 produits. J'ai pas voulu axer la box que sur le capillaire parce que c'est vrai que c'est le sujet principal de ma chaîne, mais un petit peu de make-up et de soins, surtout de soins. Voilà.
Et donc ce qu'il y a dans la box, c'est un produit capillaire, un démêlant que je trouve vraiment indispensable et qui est vraiment topissime. Un autre produit, c'est un masque pour la peau que j'utilise régulièrement, d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui avant de filmer. Donc c'est un masque soin détox. Ensuite, un rouge à lèvres, qui d'ailleurs je porte sur moi, c'est pas fait exprès, mais c'est ce rouge à lèvres là. Donc c'est un Sexy Balm, référence 201, si je me trompe pas, attendez je vais vérifier. Oui, référence 201, c'est ce produit là, c'est un Sexy Balm. Et je le trouve parfait pour l'automne, c'est les couleurs sombres que je trouve juste adéquat pour l'automne. Voilà, donc j'ai pensé dans ce sens là, un produit pour les cheveux, un produit pour la peau et un produit make-up. Comme ça vous avez un peu de tout. C'est voilà, réfléchis et pensez comme ça. Donc ce sont vraiment mes favoris que je vous ai mis dans cette box là. Et j'ai juste hâte que vous la découvriez, que vous l'appropriiez. Une troisième chose que j'ai à vous dire, quelque chose de très important. Il s'agit toujours du BeautyTube et là il s'agit de la saison numéro 2 du BeautyTube. Comme vous le savez, donc j'en fais partie, hein. Et l'une des choses auxquelles on devait être préparé, c'était de recruter 10 autres youtubeurs pour faire partie du BeautyTube. Je vous explique. Je voulais vous annoncer ici les filles que je recrutais pour ma classe pour la saison numéro 2 du BeautyTube, sauf que ma classe est déjà complète. En fait, j'ai reçu des candidatures sur les réseaux sociaux. Les gens étaient informés bien avant que je puisse l'annoncer sur les réseaux ou ici sur YouTube. Donc du coup, ma classe est déjà remplie. Je suis désolée pour celles qui voulaient participer. Mais il faut être attentif pour les prochaines saisons. Bisous. Alors, donc... voilà pour les trois choses principales que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vais essayer de publier cette vidéo la plus rapidement possible. Nous sommes dimanche. Dimanche 20 novembre, je crois. C'est ça. Oh, dimanche 20 novembre, dans 3 jours, c'est mon anniversaire, le 23 novembre. Dimanche 20 novembre. Franchement, j'aimerais vraiment poster cette vidéo aujourd'hui même. Mais je pense que ça va être difficile parce que ma nièce est là et je suis avec ma fille et j'ai envie d'enregistrer une vidéo avec elle parce qu'elles sont trop choupignons, trop mignonnes. Et j'ai envie de faire une vidéo avec elle pour mon autre chaîne, vous savez, la chaîne de vlogging qui d'ailleurs va aussi un petit peu changer. Voilà. Je vous en dirai un peu plus tard. Sinon, j'avais 2-3 petits trucs à vous dire qui me semblaient importantes. Il s'agissait des commentaires qui arrivent dans les spams. J'ai vu que j'avais 166 spams dont des commentaires. Donc il y avait des vrais spams, mais il y avait aussi certains de vos commentaires. Et des commentaires qui dataient d'il y a un mois, d'autres qui dataient d'il y a 5 mois, d'autres qui dataient d'il y a un an. Et j'étais vraiment juste choquée de voir tous ces commentaires qui arrivaient dans les spams. Et je voulais juste vous en informer. Enfin, vous avez peut-être dû vous dire, Marcia, c'est une grosse malpolie, elle répond pas aux commentaires. Non, c'est pas vraiment ça les amis. C'est pas vraiment ça. Non, moi j'aime vraiment répondre à tous les commentaires. Des fois si je le fais pas, c'est vraiment parce que voilà, vous comprenez, j'en suis sûre. Mais j'aime beaucoup, enfin je tiens à répondre aux commentaires. L'autre chose que j'avais envie de partager avec vous, de vous demander, on m'a fait pas mal de suggestions de vidéos là ces derniers temps, pendant que j'étais pas là d'ailleurs sur YouTube, et j'ai trouvé ça cool que vous me donniez des suggestions de vidéos. Donc je vais vous les proposer et vous allez me dire et voter, disons, en commentaire quelle vidéo vous souhaitez que je fasse en priorité et si elle vous intéresse. Donc à chaque fois vous voterez vidéo 1 ou vidéo 2 ou vidéo 3 ou vidéo 4 parce que j'en ai 1, 2, 3, 4 à 5. 5 vidéos à vous proposer. Et vous me dites, juste vous votez en commentaire, vidéo 1 ou 2, de ce que vous voulez absolument voir sur ma chaîne et en priorité. Voilà. Donc on m'a proposé de faire, et ça je trouve que elle est vraiment bien cette idée, parce que je trouve que ça va de soi avec, avec ma chaîne, c'est un wash day routine. J'y avais déjà pensé, donc si vous voulez voir un wash day routine sur ma chaîne, donc vous votez vidéo numéro 1. Ensuite, ma morning routine, on m'a demandé de le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sachez que le matin, je ne fais jamais la même chose. Et en fait, c'est là où ça peut être un peu compliqué de vous parler de ma morning routine. Parce que tout ce que je veux le matin, moi, c'est dormir, ce dont j'ai besoin de dormir. Sinon, j'ai pas vraiment de routine. Ensuite, troisième proposition, c'est un Whisper Challenge avec ma fille. Je trouve ça plutôt cool. Donc, si cette vidéo vous plaît, votez vidéo numéro 3.
Ensuite, on m'a proposé de faire une vidéo « J'ouvre vos snaps » avec ma fille, toujours. Donc pourquoi pas aussi, donc si ça vous intéresse, bah écoutez, votez vidéo numéro 4 et surtout follow-moi sur Snapchat, ok. Ensuite, une autre vidéo qu'on m'a proposé de faire, c'est motivation, confiance en soi pour la vie d'étudiante, de femme, de maman, etc. Donc je trouve cette vidéo vraiment très très bien, pertinente, intéressante, parce que... c'est vrai que je suis passée par des moments où je me disais « Yo, Marcia, accroche-toi !» Enfin bref, on pourra en rediscuter dans cette vidéo si elle vous intéresse. Donc vidéo « Motivation, confiance en soi pour les études et la vie de tous les jours. » Voilà, donc même si vous ne la voulez pas que je la fasse, je la ferai quand même. Parce que je la trouve vraiment bien. J'abuse. Bon, voilà, voilà tout pour cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les nouvelles vous auront intéressé et que vous êtes aussi contente que moi pour tout ce qui va arriver de nouveau et que le nom de cette nouvelle chaîne, que le nom de cette chaîne vous plaît, ce nouveau nom vous plaît, tout ce qu'elle signifie, etc. Et que voilà. Donc, et qu'on va continuer à être une team au taquet. Voilà. Et ben voilà, voilou, et tout. Ciao! Bisous, bisous!